Pour la beauté du verbe, j'ai envie de l'utiliser. God. Gameplay DS3 supérieur à DS1, ambiance DS1 supérieur à DS3. La grande chaîne. Yes, yes! Visage disant pardon. Je suis pardon! J'ai l'impression de jouer avec la grande hache dans Dark Souls 2. Oh, je suis mort là! Oh, vache! Le musée il fait beaucoup de dégâts, mais non, c'est nous qui avons pas dit en fait. On avait vu faire qu'on mérite. Bah, ça va alors, je suis bien loti parce que. Non, je vais pas vous dire ça parce qu'à chaque fois là, vous me. Attendez. On s'en fout, non? Ou je sais pas si on appliquait vraiment cette règle pour les anneaux. En mode. Celui-là, je les drop après celui-là, donc je remplace celui-là à droite. Je sais plus si on l'appliquait pour les anneaux. Je sais qu'on l'appliquait pour les armes. Non, même pas, attends. Non, même pas. Non, non, c'est bon. Parce que pour les armes, je crois qu'on disait qu'en gros, ce qui arrive, c'est que par exemple, si j'ai le marteau, et que je drop une autre arme et que je veux garder le marteau, je remplace l'épée derrière des peintures. Et si à ce moment-là, je retrouve une autre arme. Là, par exemple, je suis obligé de remplacer le marteau parce que j'ai déjà utilisé ma carte Joker, un truc comme ça. D'habitude, tu faisais ce que tu voulais pour les anneaux et les armes. Ouais. Bah, je l'ai droppé quand même, à force. Si j'en trouvais deux, je veux dire. C'est ça un peu ma question. Tu aurais dû fouiller chaque recoin, je l'ai trouvé là dans l'Artorias. C'est ça, vous aurez regardé ça peut-être. Écoutez, on va procéder comme je viens de le dire, là, en mode. C'est la chevalière bleue, c'est ça? En mode, si je redrop un anneau, lui devra gicler par contre. C'est un peu un système de seuil, non? C'est ça? Je sais pas, j'essaie de me rappeler en fait, mais bon. D'après les souvenirs, tu dégageais ce que tu voulais, je me souviens pas d'une règle spéciale. Ah ouais? Bah pour les armes, je suis sûr que si, parce que sinon je me retrouverais pas avec ces merdes, j'aurais toujours une bonne arme, j'aurais remplacé la deuxième à chaque fois. Pour les anneaux, je sais plus, parce que je me suis quand même forcé à équiper lui, hein. Est-ce que je finis pas de fouiller les profondeurs? Ou un peu au moins pour trouver. Ceux-là, on a quand même déjà trouvé les pires anneaux. Il n'y a pas encore un anneau qui peut nous niquer. On a déjà eu Calamite, on a eu celui-là. Il y a d'autres anneaux comme ça? Mais pas le visage. Ah oui. Ouais, mais ça, je veux dire, c'est un item. Les items en général, on s'en fout un peu de les équiper ou pas. Ça, c'est un truc que j'ai pas poussé jusqu'à l'extrême comme ça. Genre. Putain, on les a tous, c'est génial. J'ai pas poussé jusqu'à l'extrême en mode dès que tu ramasses une grande âme ou quoi, tu utilises instant. J'aurais pu le faire, hein, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas commencé comme ça là. Mais si on se met pas des règles, c'est horrible. Il y a une autre règle, c'est que les catalyseurs, on a le droit de les mettre en main gauche. La seule fois qu'on s'est fait niquer, même avec cette règle. Le dos qui commence à être défoncé. Aïe aïe aïe. Bonne nuit, Xanagi. Merci quand même de te forcer à regarder, même si t'apprécies pas plus que ça les jeux. On va jouer à autre chose cette semaine quand même. Bah déjà demain. Attends, merde, j'avais dit que demain. Non, demain c'est Bloodborne, ouais, je crois. Mercredi c'est Taiki. Vendredi c'est jeu d'hiver indé. Et samedi, je sais pas si on va pas faire le truc qu'on avait dit où le run suicide là. Où les viewers doivent me protéger. Pour mon propre bien. Aïe. Deux secondes, les gars. Ah oui, l'armure de Kirk. Merci. S'il te plaît, quoi. J'ai juste devant toi, respecte-moi. Le mec, il voit qu'il va se prendre un coup de masse, mais il continue son devoir, quoi. C'est un pur américain, magnifique. Peut-être crever, là. Ah oui, non, mais d'accord. Je vais crever, en fait. Putain. Demain, c'est stream avec DXM. Ah ouais? Ah putain! On a dit ça, mais on a toujours pas trouvé Dieu, hein, DXM. Tu te rends compte de ça? Bon, bah, va falloir changer alors le planning. Oh, c'est vrai qu'on n'avait pas reparlé, du coup, j'ai pas du tout pensé. Il fait quoi dans l'hameau du crépuscule? Bah, je cherche là une autre arme. Enfin. En vrai, je sais pas si je peux me le faire à travers avec ces merdes là. Je sais pas si l'épée de gardien des peintures c'est mieux que le marteau de machin, mais bon. Je crois qu'il me faut une autre arme hein, quand même.
En soi, ça rendrait peut-être le petit Artorias long, c'est tout. En vrai, on essaye ou pas? Je sais que vous voulez que j'essaye, donc on y va. Il a oublié, je demande une manifestation, c'est terrible! Désolé, DXU. Essayer de remplacer, tiens, on va mettre. Hop. Ouais, il est en plus de lui. Chier là, je peux pas l'améliorer plus parce qu'il demande des trucs spéciaux, je crois. Pauvre DXM, oui. Bah écoute, on trouve un jeu d'ici demain. Autre chose que Orange Juice. 100% Orange Juice. Enfin, on peut y jouer, hein, mais pas qu'à ça, quoi. Une faux. C'est bien qu'on drop une faux. Non, les boys là. Bah après le stream, DI, on en parle du jeu. Enfin, c'était dispo. Qu'on trouve, quoi, qu'on trouve. Salut Filger999. Comment vas-tu? Putain, des fois, Nian, tu vois des gens que je vois même pas dans le chat, là. Attends, où est-ce que tu l'as vu, Filger999. T'es en train de regarder la liste des gens qui regardent H24, Nian, ou... je vois pas le nom dans le chat. Je sais pas si c'est pas bugué chez moi, alors. Valkyrie aussi, salut. Salut à vous deux. Ouais, t'es là, mais avant, j'ai remonté un peu, je t'ai pas vu. Bah, bienvenue, en tout cas. J'avais du retard, j'étais... Je suis new, bah, bienvenue, bienvenue. J'espère que tu as bien aimé. On va essayer Artoryu, mais... Ok, l'esquive était un peu tôt, mais tranquille. Faut que je bêta-teste quand même les dégâts. Alors, je me dis que oui, je... Je vais pas faire beaucoup de dégâts avec, mais le marteau, en comparaison, je pense que c'est pire. Parce... Ah ouais, non, mais lui, il veut pas qu'on se heal, en fait, c'est ça. Pas une troisième. Non, mais ça va, je peux me heal quand avec toi. Ok. Non. Oh, shit. Fuck. Fuck! C'est tragique là. Oh le poise. Good poise! Je pense que le Vamos c'est mieux en fait. Je pensais que je pourrais taper plus souvent que ça. Non. Oh god. Je sais pourquoi j'ai pas trop le temps de me soigner, c'est que la roulade dure tellement longtemps. Merde, je veux taper avec, avec le marteau, pas faire ça. Deuxième. Troisième, s'il te plaît. Mais putain, je peux jamais le taper en étant un gros sac comme ça, là. C'est ouf. Ok, je voulais pas faire ça. J'ai pas ça assez vu. Bon, petit Artorias... C'était mal esquivé ça. Non, c'est de la merde, c'est de la merde, il me faut autre chose, il me faut une autre arme, c'est pas possible. J'ai acheté du pain à 3€. Ça existe? Je suis broke. Oui, tu m'étonnes. 3€ ton putain de pain et... Je sais pas, j'ai même pas de blague de papa qui me vient concernant l'argent en mode c'est trop cher. Il va être long ce fight, ouais, dans le meilleur des cas. Mais bon, là, le pire des cas, on l'a vu en fait, c'est moi qui arrive pas du tout à le toucher. Franchement, il nous reste un peu des loot, on peut partir à la pêche au loot hein, ici. Attention, t'as fait tomber une miette de 30 centimes, c'est un peu ça quoi, tu manges le pain, tu le savoures. Hein. 3 balles le pain. Mais c'était quoi, c'était juste une baguette? Quand je veux dire, c'est une flûte ou un truc, du pain au sésame ou je sais pas quoi, un truc un peu spécial. Bon, 3€, ça fait quand même hors de prix, mais même quoi. Une baguette 3 balles, c'est vraiment... Le mec se casse les dents sur une pépite d'or, le pain. En fait, c'est une loot box, le pain. Vous avez une chance sur 1000 de trouver une pépite d'or. Ça, c'est génial, je vais l'inventer. Hein. Ça va être interdit, non? De faire du pain avec du loot dedans.
Des couteaux CSGO dedans. C'est un pain d'un kilo. Bien content qu'il soit rassis 2 jours après. Non les boys. Bon, alors il y a un saut là aussi que je dois faire, mais je peux là vraiment? En las fates rolas. Non, je peux pas. Oh god. Ça va. Vite. Enfin, peut-être que je pouvais faire le saut, mais je l'ai pas fait d'assez loin ou je ne sais quoi. Mais ça m'a l'air chaud quand même. Hein. En fait, roll. Donc. Alors, venez pas me backshot quand je fais ça, s'il vous plaît. Fuck. Qu'est-ce que j'enlève? Franchement, je vais enlever le truc de garder les peintures. Hein. Pas vous mentir. Talisman. God. Pas une baguette, mais un énorme. Mais pas un énorme pain non plus. Mais un bon pain. Ok. N'est-ce pas la meilleure chose? Merde, tu le manges tout seul, bon. Moi, je trouve ça pire d'avoir trop, en fait. Que pas assez, niveau bouffe, parce qu'après, je culpabilise. Si vous avez quelque chose à foutre, d'ailleurs. Par contre, on va vite rejoindre la zone qu'on avait lootée, déjà. Parce qu'on était remonté pas mal loin, par ici. Manuel Lernard, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois. Peace! Alors, il y a le feu que j'avais jamais réussi à allumer, puisqu'on n'arrêtait pas de me chain kill. Ah si, j'avais allumé, faut croire. C'est juste qu'on peut pas s'y téléporter. Donc, on va redescendre là-bas. Ah! Merde, ça respawn, saloperie. Je sais pas pourquoi je fais le surpris alors que oui. C'est comme ça que ça marche en fait. Hein. Mon pain quotidien. Je vois, ça me fait rien. Complètement con. Juste une expression, je rigole déjà. Les mêmes, qu'est-ce que vous avez fait de moi? Alors. En effet, oui, je suis intéressé par votre plus délicieux loot. S'il vous plaît. Qui est... Ah, Worse. Bon là par contre, faut que je remplace le marteau par exemple. Sinon c'est un peu trop simple si je remplace le... Après je me suis peut-être planté 2-3 fois là-dedans, c'est juste que d'une session à l'autre je me rappelle pas ou des fois je fais pas attention. Faut pas hésiter à me le dire quand je me plante et que je remplace pas les trucs comme il faut. C'est le Nodashi du coup, c'est ça? Je suis passé 1000 fois dessus mais je sais pas, je me le dis, ça doit être autre chose. Mais attends, là je vais réussir à le toucher hein, je pense, pour le coup. C'est quoi déjà l'expression que tu nous avais sorti sur Bloodborne? Ah, le truc avec les cochons là. Le beurre au cul. Et ça c'est une vraie expression hein. Bon, pas si tu rajoutes les cochons dans l'équation, mais juste, ça change pas plus que de beurre au cul, c'est une vraie expression. J'ai pas honte de le dire, ok? Ça se dit dans la famille depuis des générations, c'est pas vous qui allez me faire changer, parce que les petits nantis, là, ils trouvent que c'est pas normal comme expression. Est-ce que je continue de loot? C'est... Ce serait vraiment continuer de loot pour espérer avoir autre chose que ça. Avoir la fatrol, mais... Moins fat, je sais pas comment trop l'expliquer. Merci beaucoup pour le follow, Massaroka. Benvenito. Alors, j'ai vu du loot, mais quand je l'ai vu, faut que je le ramasse. Ça marche comme ça dans cette vie. À part quand je sais pas le ramasser d'ailleurs. Ok. Ça rend la zone un peu plus dangereuse parce que j'ai pas trop de dégâts. Ok, il est là. Please, no. Vous pouvez vous décaler s'il vous plaît, je veux juste, merci. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle un loot neutre chez nous. Ni négatif, ni positif. Et celui-là, il y a l'échelle qui est là. Un truc à loot, plein de trucs à loot. Ce qui me fait plaisir, mais en même temps ça me terrifie. Oh, je l'ai vu aussi celui-là, tiens. Allez. Ah oui, Piwi qui s'étonne de ce loot. Une grande âme. La troll, fat troll, c'est crawl. Ah, Mugwen donc, très bien. Seigneur des cendres a été tellement proche de nous en fait, c'est marrant hein, quand on y pense. J'ai quoi moi? Je crois que ça va être plus lourd que... Non, yes, j'ai gants de Katarina sinon, les gantelets pardon. Rip. Yes, ça va alléger ça, je pense que ça devrait suffire. Ah oui. Yes, ok là c'est la fat troll.
Non pas la thick roll, comme le disait pertinemment DXM. Oh shit. Et là, je loot le dernier loot que j'ai vu. Et hop, c'est un truc qui pèse 25 000 kilos. Ok. Oh wow. J'ai un peu peur. Je parle pas d'un petit chien en disant peu peur. L'âme de Gwen, elle devrait en apporter pas mal, hein. Tiens. Ciao, rip. Si un jour j'ai besoin d'âme. Et donc. Ah, mais je suis. Oui. Non, je suis con, c'est bon, je peux y aller par là. Non, fuck, c'est pas par là. Hop là, c'est par là. En fait, j'aurais pu y aller direct tout à l'heure. Hein. Je vais mettre une définition sur cette onde de mal, une définition en replay de stream, ce serait ce passage. Celle-là, je vais réessayer de la sauter et de la voir. Enfin. De la sauter, j'aime pas trop la combinaison de mots, mais. Je vais essayer de sauter et de la voir maintenant que je suis en fat roll et puis en thick roll. Aïe. À quand l'invitation de tes amis pour une fête chez toi? Oula, je sais pas. Il y aurait trop de monde. Mais merde, mais je l'ai déjà ramassé. C'est quoi le loot? J'avais pas vu un loot par là? Que je ramassais pas? On va regarder encore, mais je crois que je deviens complètement ouf juste. Ouais, non, mais s'il te plaît, quoi. Le petit chiot là. Please. Mmh. J'ai cherché en même temps. Je pense pas qu'il va m'empêcher de monter même s'il me touche. Je sais pas pourquoi j'ai derp comme ça sur un loot que j'avais déjà ramassé. J'ai aucune excuse. Et merde, c'est pas où? Ah, c'est par là. Je vois pas aussi qu'il pourra. Oh merde, il y a des plebs sur l'échelle. Ah merci de monter. Remonte. Ou tombe avec les autres dans la fosse. Voilà, moi aussi. Bien. Yes, hello. S'il vous plaît. Merci. Ça devrait pas être une épreuve comme ça pour une jeune fille de se balader. Qui a affronté la reine Yanam dans Bloodborne? Je crois que 90% des joueurs sont placés à côté. Rip. En même temps, c'est loin. Hein. C'est incroyablement chiant à faire les donjons de Kali. C'est dans les donjons de Kali, soit qu'elle est, non? Bon, on va les tuer, sinon ils vont me gonfler. Les donjons de Kali, si tu les fais pas quand le jeu pense que tu vas les faire, c'est trop chiant, quoi. Tu te les tapes et c'est trop simple. Et après, ça devient trop dur, d'un coup. Ah! Oh, please, quoi! Je méritais mieux que ça! Je crois qu'elle fait 1m80, quelqu'un disait qu'il était incroyablement long ce katana. Enfin, ce Nodashi là. Oui. Ah non, c'est quoi qui fait 1m80? C'est la lame du chaos qui fait 1m80. Celle-là, je sais pas combien elle fait, même plus, je pense. Même plus. Bon, je réessaye le saut encore une fois, sinon on se barre. On va améliorer le Nodashi. Tu peux faire les donjons de Kalis en offline? Ouais. Il y a. C'est quoi, moi c'était un boss juste qui était vraiment horrible quoi à faire en solo. L'autre problème que j'ai eu moi c'est que je l'ai fait en NG+ aussi, c'est peut-être pour ça qu'il était insupportable. NG+ ou NG+2, je sais plus. J'ai fini dans l'ordre qu'il y a eu. Et donc c'était pas trop le fun mais bon. Il y a un boss particulièrement horrible. Et je sais pas si tout seul c'est vraiment très simple. Ah bah ouf. Merci. Ouais. Bon, allez. Tant que c'est pas une arme de merde. Ah si, je l'aurais mis à la place du talisman, remarque, je m'en fous. Bloodletting Beast, le plus dur. Bah, je sais plus si c'est son nom, ouais, mais... il faut que j'aille améliorer mes trucs. Paroisse de la Small Vivientos. C'était limite. Oui, c'était un limite. Butt clenching, c'est ça, ce saut là. Alors, on y va. Il s'est jamais fait autant d'argent sur une run, je crois, que depuis qu'il y a le randomizer. Encore là. Pas trop casse-couille, toi, par hasard, c'est bon. Don't get yourself.
Il faut les acheter, les fragments, au mec qui a les cheveux, non? C'est lui, à mon avis, non? Qui est assis, là, qui vend les armes de boss. Normalement, je crois que là, il vend les fragments. Petit bug de son. Oui, non, mais ça, j'ai l'impression que c'est la routine sur ce stream, là, maintenant. Chase n'augmente pas en NG+, il reste au niveau équivalent. Ah bah putain, j'en avais tellement chié à un endroit. Ah, c'est juste coqué. Ah, d'accord. Plus tu descends dans les chaises, plus c'est du NG+. Ah, bah écoute. Yes, c'est lui. Ok, ouais, non, mais 40, écoute. Voilà, j'aurais plus de pitié pour tous ces croissants. Je vais te tuer si tu me laisses pas partir, merci. Est-ce qu'il me reste des os du retour? 3, oui. J'ai un flemmard. Et puis y a pas de feu à porter. J'aurais pu me jeter dans le vide en fait, je suis complètement con. Héritage en calice, en chalice. Je sais pas s'il faut dire chalice ou calice. Toujours un G+4, montré ignoble. Ça, moi je l'avais torché, Héritage. Moi c'était le amygdalabis là qui m'avait défoncé. Mais cassé en deux. Après la reine était vraiment naze. Alors, laquelle j'utilise pas, celle de graine du feu du coup. Ah bah 8000, c'est bon. Il faut que j'aille l'utiliser cette âme de graine du feu pour mes fioles quand même. Je me plains que j'en ai jamais pas en tout le jeu et quand j'en ai une, je l'utilise pas. Est-ce que je vais avoir des fragments? Je sais pas si ça lui fait. Ouais, c'est bon. Ça lui fait grand chose à Artorias là, des. Ou il va rigoler juste, il va se moquer de moi. Est-ce que je la mets en plus 15? Vous pensez que ça va là? Fais voir les dégâts. 181. J'ai des buffs. J'ai vu que j'avais de la résine de pain. Mais bon. Ah, j'en ai 5 quand même. Ouais, vas-y. Mais il reste Artorias et Manus dans le jeu. Donc... Ah non, il reste Calamite aussi, mais bon. Vas-y, j'ai envie d'essayer de voir les dégâts que je lui fais comme ça. Après, je dis pas. Si je lui fais encore genre 80 de dégâts en tapant dessus. Peut-être encore améliorer l'arme en plus 15. Surtout, je crois qu'on a des tablettes, non? On a drop? On a deux. Ouais, j'utilise Wisely, mais bon. Il a enfin une arme convenable. Oui. Dans les souvenirs, tu peux avoir plus de portée qu'Artorias. Juste avec des coups comme ça ou avec celui-là? Elle est tellement longue. Mais ça, en vrai. Parce que je suis pas du tout un expert des armes ou quoi, du coup je viens chercher la connaissance chez vous. Si y en a qui connaissent bien. Genre le bout de la lame là. Ça se pète pas ça? Quand tu tapes comme un porc là. Ça doit se péter non? C'est pas possible. IRL. Le son coupe pendant 3 secondes, 6 mois. Putain mais c'est chiant. Je regarderai la rediff et tout, voir comment ça fait. Allez, une fiole déjà, une. En toute logique, plus c'est long et fin, plus ça pète. C'est un peu ma réflexion aussi. Bah, le truc, c'est que si vous avez pas tous les bugs de son en même temps... Ça vient de Twitch, sinon ça vient de moi. J'ai esquivé tellement tôt. Je suis un génie là. Deux parce qu'il va nous toucher. Fuck cette attaque, elle me touche tout le temps. Fuck! Ça il est gentil, il aurait pu faire pire. Si tu veux. Fuck! Greedy boy. Je pensais qu'il allait faire son buff. Au calme.
C'est bon? J'ai jamais le temps de me heal, c'est un truc de ouf hein. Enfoiré, va chancer me heal quand en fait. Alors là, si j'essaye direct. Non, je peux pas. Je peux pas me heal parce que je suis en fat roll. Bien! Bien! J'ai même pas le temps de me relever. Regarde-moi ça, je peux pas me relever! Je suis obligé de prendre les dégâts! Vite! On se fait pas toucher par ça par contre, attention hein. Ok. Putain, mais c'est ouf! Faut pas que je me fasse toucher en fait, c'est le plus simple hein. Non, pas celle-là, elle est horrible. Vas-y, je la prends, je m'en fous, je la prends, j'en prends deux. Lorsque tu dis ça, ah là, j'ai plus de fiole déjà, hein, tranquille. Mais là, je peux rien faire, j'ai spammé la touche, mais vu que je suis en train de me relever, je suis niqué en fait. Ok, alors ça, je vais même pas pouvoir l'interrompre, je pense. 40, 80. Ah si, lol. Alors ça, mais putain, cette attaque. Vraiment que je l'esquive. Bon, on sait que ça va pas marcher maintenant, mais... L'espoir fait vivre. Oui. Tu vas améliorer l'arme. Alors... Ah non, Landale, si je me souviens bien, c'est lui qui peut... Ah bah, je vais aller à ce feu-là, déjà. Pour améliorer la fiole de... Avec l'âme de la gardienne. Plusieurs cartes que tu pourrais faire, c'est pour tomber le 4, c'est le Chalice 10. Le Chalice Racine 10 avec la malédiction qui te met mid-life en permanence. Non mais c'est déjà assez dur comme ça le bel 4 hein. Moi ça me va, c'est bon. Si en plus faut faire tous les boss du Chalice. Pas deux. Merci ma petite. Dire qu'à l'âge d'or j'ai battu ce boss avec un bâton et SL1. Nice, quoi comme bâton? Un bâton de sorcier genre, tu utilisais que le coup ou tu tapes? Il est un petit peu loin le thick boy. Ah le gourdin. Ah oui, de Deprive, tu l'as amélioré ou pas ou juste normal? Non, please. T'as dû te prendre 15 ans si tu avais pas amélioré. Salut Azulé, comment tu vas? Bien, j'espère. Ça fait plaisir de te voir. Sinon, je pense que je me serais jeté par la fenêtre. Alors, j'ai pas d'argent. S'il te plaît, laisse-moi aller dans mon inventaire, merci. Ça va suffire ça? Pour ce greedy boy là? J'espère, on va voir. Moi j'ai pas reconnu l'air que tu chantes, bien sûr que si t'as reconnu. Alors, Nodashi, dire que putain on avait. Nodashi de cristal sinon. On avait l'épée de gardien des peintures là. Enfin, on avait le Murakumo, on l'a gardé genre 3 secondes. Putain, mais je peux pas le mettre en... Comme ça? Je peux pas le mettre en plus 15 avec lui, là? Comment on fait, déjà? J'ai pas sa braise ou je sais pas quoi spécial. Du coup, bébé Kadom, il est pas content. Je peux mettre en foudre, à la limite. Je suppose de faire ça, hein. Je peux mettre en foudre. C'est honnête, hein. Mon avis, c'est honnête. Parce que, de toute manière, c'est mieux que mon plus 10 de le mettre en foudre plus 3, donc bon. Qu'est-ce que tu vendais, toi, déjà, d'ailleurs? Bonne soirée, Diposeda, merci d'avoir regardé. Âme de Sif. Âme de Sif interfessier. Rien d'autre. Je vais voir, vite fait, je teste sur vous, vous aimez pas la foudre, en plus. Genre comme 95% du jeu, en fait. Bon, on va voir sur le Sias. Sur le Arto.
Je vais me suicider parce que j'ai la flemme de courir tout ça. Y a pas vraiment de malus à le faire dans Dark Souls 1 quoi. Hello! Yo! Mort de héros. Ça compte de regarder avec un portable pour live, pour le nombre de spectateurs? Moi j'imagine, non? Yo Imagino! Sanctuaire d'Oulacil. J'aime bien foutre sur Albert de Gargouille. Je sais pas si j'ai déjà fait, tiens, une run avec juste l'Albert de Gargouille. En jouant avec. Plus 15, c'est André qu'il faut parler. Ah bah fuck off André. Vous êtes mort. D'ailleurs l'idée d'un Odashi de food me plaît aussi, je veux dire. Sinon, il est toujours pas au maximum de son potentiel niveau amélioration. Vous pouvez me pas laisser passer par contre, là, ça devient relou. Ça va, je suis où là? On est où là? Run bouclier pinwheel. Ah mais ça me saoule, c'est le genre de challenge où tu mets juste 15 ans à faire les trucs. Il fait des dégâts le bouclier de pinwheel au moins? Parce qu'à la limite, la run avec la porte là sur Dark Souls 3 c'est drôle. Parce que les boucliers dans Dark Souls 3 font à peu près des dégâts. Mais dans le premier là, c'est vraiment des dégâts la pinwheel. Attends, le bouclier pinwheel en plus c'est quoi? C'est pas, c'est même pas le bouclier des... Si c'est le bouclier des squelettes qui roulent là. J'espère parce que putain c'est autre chose. Hello. Ouais je pense que vous voulez dire les bonnes wheels aussi parce que pinwheel du coup j'étais un peu confus. Mais ça c'est normal ça que je fasse rien sérieux avec une arme plus 1000. Ça m'insupporte. Super def. Allez, j'ai même pas le temps quoi, c'est ouf. Bien savoir quand je peux prendre mes fioles, monsieur. Alors une fois, le mieux, c'est de pas les prendre du tout. Fuck. Ah. Une fois, ce qui va nous tuer, c'est les esquives. Hein. Ça va être comme sur Cinesmo. Hein. C'est pas tellement les dégâts, c'est... Plus que c'est chaud quoi. Esquiver. Fuck you. Ok. Tu peux hurler, écoute. Vas-y. Hein. Je sais pas si ça changera quelque chose à ton talent. C'est esquive, je la fais toujours atrocement tôt. Il est pas contrable. J'imagine que non. Je suis pas mort. Putain, mais laisse-moi me soigner, gros trash, va. Bon, là, je l'ai fait de la. Là, je. Oui. Là je veux bien. Mais des fois quoi je le fais juste après une roulade et non. C'est non en fait. Ok. Elle peut-être. Non, prendre deux fioles, on sait jamais. Ah c'est bon. Fuck. Ah ça m'énerve ça. J'ai un putain de Odashi là. Que je puisse utiliser cette force. Ah bah confirmé, je tape pas plus un Cartorias du coup. On avait émis cette hypothèse tout à l'heure mais non. Parce que j'ai pas réussi à le toucher, il m'a touché à la même distance. Mais en tout cas, je fais trop tôt, je fais pas. Grid, oui. Ça va, c'est bon. Fuck. Mais merde. J'ai attendu en plus, hein, voir s'il allait faire son follow-up, mais il a bien pris son temps. Mort. Je peux pas me relever. Oh. Bah ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Pas trop comment on peut faire honnêtement. Enfin, il faut que je get good, mais à ce niveau-là, c'est même plus get good en fait. Hein. Il faut que je get suprême. On va passer par contre à. Enfin, on va se mettre.
Si, parce que lol. 15 fioles. Alors on essaye encore quelques fois, après vu qu'il est minuit 2, on s'arrêtera, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'arsouges, hein. Parce que pour faire quoi que ce soit, ça nous prend 40 ans dans cette run, mais bon. You got to do what you got to do. Spam Torias. Seul Gwen est parable dans le. Ah oui, y'a que lui. Oui, c'est vrai, remarque, quand j'y pense là. Personne que tu peux parier. Contrairement à Dark Souls 3. Vous pouvez arrêter par contre, genre des fois vous me laissez passer avec votre. Putain de RNG de merde. Allez. C'est un Dark Souls avec ce jeu. Non, c'est un Nioh-like. Je me souviens d'une époque où j'avais le temps de prendre des putains d'humanité contre Artorias. Hein. Où est passé ce temps-là, quoi. Un peu le Dark Souls de cette série. Le Dark Souls des jeux de karting. Ah oui, voilà, t'as été généreux parce que mon esquive, mon pauvre. Aux fraises, comme on dit chez moi. Ouais, bon bah là, t'as pas été généreux, je te comprends en même temps. J'avais su, je m'en... Ouais. J'aurais profité pour me soigner. Fuck me! Je croyais qu'il allait faire un coup rapide, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, j'ai eu le temps de me relever, quand même, incroyable. Ouais. Ah mais c'est ouf, quoi. Oui! Un peu plus fort? Merci. Ça va faire comme sur Ancien Esmo, c'est des... C'est un boss qui est naze, mais bon, vu que tu peux pas esquiver correctement, tu te fais défoncer, quoi. Amusement maximum! Salut! Il a l'air vraiment dur, ce boss. Bah, en soi, ça va... Quand tu peux esquiver. Mais là, je... Faut que je maîtrise les esquives en fatroll, quoi, c'est ça. C'est ça qui va être dur. Ou alors qu'on aille looter, à l'heure, ailleurs, pardon. Mais je vois plus trop où on peut loot en vrai. Hein. J'essaie de réfléchir là, tiens. Où est-ce qu'on a pas loot? En vrai. Je sais pas où est-ce qu'on a pas loot. Il y a peut-être des endroits où on n'a pas pris tous les loots, genre la zone avant Nito là. C'est sûr. Arrête hein. Putain, je passais sans prendre de dégâts, c'est incroyable. Il te reste Yami, je crois pas que j'ai la... C'est quoi, c'est la poupée pour y aller? Je sais pas. Non, tu peux faire qu'après Calamite. Il faut qu'il y ait l'autre qui le descende avec son arc. Le géant. Le bon géant. Le BGG. Je vais voir si j'ai quand même pas la poupée. Ce serait une blessing d'aller là-bas, quoi. Oh god, pourquoi je l'ai pas? Là, j'ai loupé des loots de partout pour pas l'avoir, quoi. Ou alors, non, en fait, la poupée, elle peut être après Artorias, hein, vu que c'est pas un loot essentiel. Inbound, il cherche des loots, il se retrouve avec une arme naze. Putain, non, s'il vous plaît, quoi. Juste être plus léger, c'est dingue, quoi. Toute la run avec lourd. Est-ce que j'ai besoin d'esquiver, ça, ou je peux juste marcher en avant, il me touche pas? Deux secondes. Ah oui! C'est à vite activé ça! Oh, mais touche-le, touche-le, je t'en supplie, touche-le quoi! Ouais, quand même. Yes. Tu peux continuer de faire ça en fait, c'est génial comme attaque, j'aime bien. Tu t'en sors bien en la faisant. Non, je t'avais demandé. Oh, ouf, ça va qu'il m'a pas touché parce que la rouage, je t'avais demandé avant de me. Enfin, en me soignant quoi. Il a sorti 4 ans après.
Fuck. Deuxième, parce qu'il va me toucher. Ah, ça n'a pas suffi. On dirait que c'est la trigger. Fuck. Putain, ça me rend ouf ça. Qu'est-ce que tu fais? Artou, qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh, what? Il a des frames d'invincibilité pendant sa roulade? c'est trop drôle ça. Génial. Deux secondes. Oh tiens, ça a pas trigger. Oh, nice. Je croyais que t'étais comme tous les autres, attends là c'est trigger dès qu'on faisait une roulade. Enfin dès qu'on prenait de la vie. Je croyais que j'allais même pas avoir le temps de l'empêcher quoi. Non mais là j'ai esquivé, sérieux quoi, j'ai une fat roll mon gars, hein. Je fais ce que je peux. Deux fioles parce qu'il va me défonce. Voilà. C'est sûr. Ah bah merci, je suis content de m'être soigné là en fait. Hein. Ah putain, c'est dingue. T'as rien le temps de faire quoi. Ça me rend ouf hein, en vrai. Ça me rend putain de ouf. Mais il est pas adapté au... Bon, c'est normal en même temps, mais... Au jeu des gros porcs là. Il en fait jamais deux, tiens, c'est dingue. Smart Orias. Quel gros trash, mais quel gros trash. J'étais tranquille en train de chill, il a vu que j'ai pris une fiole, direct son script il a fait LOL, non arrête. Et moi je vais dedans. Ça passe. Ça passe pas. J'ai pas le temps de me lever. Si, c'est bon. Très bien que ça a pas marché, mais bon. Faut que je traîne, hein, de toute façon. Je vois pas d'autre moyen de le faire, sinon. Pas de troisième. En fait, si j'attaque et on fait pas une troisième. Je crois, hein. Oh fuck, c'est ce qui était une désastreuse. Sérieux là? Rip. Midlife Artorias, midlife Artorias 3 fioles. Artorias midlife 3 fioles. Ah bon. Il est tellement beau ce bâtard. Beautiful bastard. Ouais, DXM, je crois que c'est l'acceptation que de toute manière ça va être comme ça. Hein. Je cherche plus d'excuses à aller chercher un autre loot parce que bon, je sais que maintenant ça va être comme ça. Encore là? Allez, 3. 3 coups! Merci. Non. Oh. Generous boy. Les banquiers le détestent. Oh fuck cette attaque. Pas trop vite. Shit, 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 shit. Angry boy. Vite. Shit quoi, j'ai pas le temps, ça me rend ouf. Je sais pas quand prendre des fioles en vrai. Hein. J'ai essayé après toutes les attaques. Ah bah faut juste qu'il fasse ça en fait. Faut avoir de la chatte. Shit. Ouais, ok. Il est bien au centre. Non, pas celle-là, j'allais test. J'ai cru qu'il a encore essayé de se... Je me disais, il la prend pas ce garçon en fait.
Fuck you. Fuck you, c'est clair. Moi, je te dis, j'ai pas peur. Shit. C'est Mirwin, tu stresses pour lui, c'est fou. Vite, il va presque le faire là. Il a eu le temps? Il a eu le temps, non? Bon, rip. Rip. Ça, c'était l'erreur en trop, ça. Vas-y, je tente. Ouais. Bon. Ça va être le rip là. Ça va être le rip parce que je peux même pas me lever là. En fait, hein. Sentez cette pression là. En plus, ouais. Quand il a fait ça, j'ai su que c'était fini parce que bon. J'ai acheté ce qu'il vit une fois sur 4. Non, en vrai, il est prenable, hein, parce que on a fait genre les 3 quarts du boss avec 3 fioles, quoi. J'ai mis envie de laisser une dernière fois. Parce que je le sens bien. Je crois que j'ai réussi à trouver le feeling des esquives. Quand attaquer et tout ça, c'est juste se soigner, par contre, c'est une curse, quoi. En général, quand t'essayes de te soigner, t'es pris dans la tourmente. C'est un peu le con qui dit non, hein. Non, tu te soignes pas, si. Non, si. Et au final, c'est non, en général. Dommage presque, ouais. Et un beau combat, ça dit. Mais bon, il était buff ou pas, du coup, à la fin? Je suis désolé, je regardais de moins en moins le chat. Oui, il a des iframes de roulade, c'est ouf, hein. C'est trop drôle, ça. Salut, Mirwen, du coup. Et c'est quoi, du coup, je me demandais? Je sais plus trop, honnêtement. C'est des morts de merde. Ah, fuck. J'avais une question. Tant pis. Tant pis d'eau. Oui, et oui. Alors à la fin, il était buff ou pas? Non, il était pas buff. C'est bizarre parce qu'il se traînait un vieux voile là. En fait, j'ai pas vu s'il avait fini son animation ou pas. J'ai pas bien compris. Tu aurais dû tenter les humanités si t'avais eu le temps. Ouais, mais bon. J'étais un peu chicken shit au niveau des humanités. Vu le temps que je prends. Enfin, vu que j'ai pas le temps de prendre une fiole, je sais pas si l'humanité serait passée. Enfin, j'aurais même eu le temps de la prendre, quoi. Il était pas buff, ouais. Ok. Close, du coup, j'imagine. Close as fuck. Oh. Allez, Artou. Non, je suis trop loin. Il me fait suer, ce con. Moi aussi, la première fois, je crois qu'il fait suer tout le monde, de toute manière. Mais après, quand tu y reviens, en vrai, tu dis, ah, quand même, il est plus simple que dans mes souvenirs. Bon, là, en l'occurrence, non, mais... Non mais cette attaque là elle est insane en vrai, hein. Je sais vraiment pas l'esquiver, c'est un truc de ouf. Quand j'esquive ça, j'ai gagné la game, hein. Je vous le dis. Oh, il a été gentil là. Oh, arrête. Ah oui, bah oui. Les deux pires attaques, celle là et celle de la charge. Non, j'ai resté appuyé trop longtemps. Allez, tiens, je te trigger. Ah, ça te plaît pas, ça, hein. Ça t'aime pas, ça, hein, quand on se heal. Ah, regarde. Voilà. Rip. Oh, what? Écoute, je me souviens d'Artorias où quand j'étais à terre, il me faisait des dégâts alors que j'étais, je pouvais plus bouger. Ouais, voilà. Là, ça avait trop mal commencé, de toute manière. Je suis rentré, j'ai fait toutes les erreurs, donc bon. Arthas, je suis roulé dessus parce que j'avais farm juste avant lui dans le tableau. Rip, Arthas. Pire, c'était Magnus. Manus, c'est vrai. Bah, Manus, en fait, il faut le jouer midrange et à ce moment-là, ça passe. Bisous Gamer TV. Merci de regarder.
Ça va faire baisser tes stats si le stream se termine tard, oui. Mais bon, en même temps, là, une dernière fois. J'essaie une dernière fois. Mais une vraie fois, en fait. Ça, c'était pas un... c'était pas un vrai essai, ça. Ce putain de trou, je crois que je suis tombé 100 000 fois dans ma vie, sérieux. En allant à l'Artarias. C'est là qu'on voit que From Software s'est bien amélioré dans ses jeux. Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire. Il y a eu des spams dans le chat. Ça vous fait rire ça. Hein. Je pense que c'est un signe évident que le jeu vient de t'ordonner de pas y aller. J'y retourne pour t'en regarder une dernière fois, vas-y, la DR. Vraiment, pour de vrai, j'ai pas le temps en fait, les gars, de faire deux roulades de suite, tu vois. Je peux pas, en fait, hein, vous avez vu mes jambières là. Plus d'être chum, elles servent à rien. Et elles sont lourdes. Je voulais voir les stats, mais j'entends que ça court derrière moi, il va se jeter, ça va. La DR des DR, c'est celle-là. Je pense que la prochaine fois, quand on va remettre, par contre, on va le défoncer. Quand on sera quand on sera frais et tout, là. Bon jeu, du coup. Quand je serai frais et tout, il va y passer direct, lui. Hein. C'est une technique qui a prouvé, qui a marché sur Logarius, sur Bloodborne. Ça devrait marcher sur lui aussi. Et après, Manus, franchement, on va lui rouler dessus, je pense. Enfin, selon ce qu'on a, mais on va lui rouler dessus, parce qu'il est tellement mécanique comme boss. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait là exactement? Un petit là je vais avoir envie de me soigner forcément. Fuck! C'est passé juste en... Fuck! J'ai fait une fois toutes les lunes de sang pour la troisième attaque. Ça va aller, faut que je le fasse de manière. Passer. C'est juste. Tu vas pas te foutre. Mais fous-toi pas de ma gueule, il a failli m'avoir alors qu'il était en train de faire une attaque que j'ai commencé à me heal quoi. Non. Fuck me. Mm-hmm. Non, c'est marrant ça, comme la nature fait ça. Oula. Ouh, joli. Ah. Nastorias. Eh oh, Nastorias. Merde. Putain, ça je l'esquive jamais, c'est ouf. Tiens. Je savais que ça allait te faire plaisir, ça. Pire attaque du jeu incoming. C'est genre la charge de Ludwig, quoi. En moins pire, quand même. Putain, mais pareil, pourquoi tu fais 3 attaques, quoi? Jamais tu fais ça, gros trash. Trash mob. Pas peur de le dire, trash mob. Oh, j'ai rien le temps de faire. Ouais. Bon, on arrête là parce que ça m'énerve parce qu'il est naze ce boss en plus normalement. Mais bon, tranquille. On s'arrête là même si j'ai envie de l'y retourner là, mais bon, ça sert à rien. On le défoncera en first try la prochaine fois.